Bonjour tout le monde. On cherche l'ion ou l'atome avec le plus grand rayon. Donc, on va utiliser le tableau périodique. Pour commencer, on sait que les rayons augmentent vers la gauche car l'attraction entre les électrons et les protons diminue car il y a moins de protons mais le même nombre de couches électroniques. Donc, les électrons sont moins attirés vers le centre. Le rayon augmente. Elle augmente aussi vers le bas car le montant de couches électroniques augmente. Donc, le rayon augmente. Tous les ions et atomes ont le même nombre de couches électroniques. De plus, tous les ions ont le même nombre d'électrons que le néon. On peut donc éliminer le Na+, Mg2+, Al3+. Les ions ont plus de protons mais le même nombre d'électrons que le néon, ce qui résulte avec un plus petit rayon. Ceci nous laisse avec le Ne, N3-, O2-, F-, N, O et F. On cherche quel atome a le moins de protons. Lorsqu'il y a moins de protons, l'atome a une plus petite charge positive dans le centre, ce qui n'attire pas les électrons, donc un plus grand rayon. Le nombre de protons dans un atome est particulier. On connaît le nombre de protons par le numéro atomique. Donc, on cherche l'atome avec le plus bas numéro atomique. Donc, le N3- et N ont le moins de protons. Cependant, le N3- a plus d'électrons que le N, 10 versus 7. Lorsqu'il y a plus d'électrons, il prend plus de place, augmentant ainsi le rayon. Donc, le N3- a le plus grand rayon.